Est-ce que quelqu'un est venu m'attendre? Allons-y. As-tu fait bon voyage? C'est beau la France. Vie, monsieur. Enfin, nous voici arrivés. C'est vous? Bonjour, Duana. J'espère que tu te plairas ici. Je vais te montrer ta chambre en attendant les enfants. Voilà ton lit. Et voilà la Côte d'Azur. Voilà la côte. Juan, Nice, Cannes et Antibes. Maintenant, nous allons voir la cuisine. La cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, le salon. Je ne fais que ça.
Je ne suis pas venue en France pour ça. Comment sont les gens ici? Toutes les portes sont fermées jour et nuit. Nuit et jour. Je suis venue pour m'occuper des enfants. Où sont-ils? Pourquoi madame me crie-t-elle tout le temps? Je ne suis pas cuisinière ni femme de ménage. Johanna, tu n'es pas à la noce. Ça fait 3 semaines que tu es habillée comme ça. Enfin, change de tenue. Justement, j'avais acheté ce tablier pour toi. Voyons. Tourne-toi. Nous avons du monde à déjeuner. Prépare-nous un bon riz au mafé. Pourquoi ce tablier? Qu'est-ce que je suis ici? J'ai jamais été cuisinière. Pourquoi madame veut-elle manger du riz? À Dakar, jamais le cuisinier de madame n'a préparé du riz. Peut-être que le riz de Dakar n'est pas pareil que le riz d'ici. Je suis ici pour les enfants. Où sont les enfants? Pourquoi madame m'a-t-elle fait venir si les enfants ne sont pas avec elle? Avec ce riz, peut-être madame me fera visiter la ville. Irons-nous voir Cannes, Nice, Monte-Carlo. Nous nous promènerons pour voir les jolis magasins. Et quand madame me donnera mon mois, j'achèterai de jolies robes, des souliers, des dessous en soie et de belles perruques. Et je me ferai photographier sur la plage. Et j'enverrai la photo à Dakar. Et les autres crèveront de jalousie. J'espère qu'ils aiment mon riz. Ma sauce n'est pas trop relevée. Et si les enfants ne venaient pas? Je suis impatiente de goûter. Vous verrez, c'est très bon. C'est très, très fort. Hein? Tenez. Ah oui? Oui, oui. Merci. La vraie cuisine africaine préparée par la bonne. Ah. Voulez-vous me passer le riz? Mais. Ça vous plaît? Oui. C'est très beau. C'est très relevé. Ah, mais moi, j'aime ce qui est fort, alors ça tombe bien. Johanna, apporte un plat de riz et du vin. Qu'est-ce qu'ils mangent, Iradot, ces gens? Ils ne font que boire. Merci. Oh, oui, c'est vraiment un peu délicieux. De sauce. Le vin va très bien. Un peu de sauce. Elle est bonne. Hein? Voilà. Encore un peu. Merci. Oui, il faut tout faire pour revenir à Dakar. L'Afrique n'est pas sûre maintenant, avec tous ces coups d'État. On n'a pas le Sénégal. Oui, c'est très bon, mais c'est tout de même un peu lourd. Ah, puis c'est bien préparé, hein? Votre cuisinière est une perle. En Afrique, les indigènes ne mangent que du riz. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le mafé? Est-ce que ça fait grossir? J'espère que ça rend amoureux. C'est pas sérieux. Merci, Johanna. Ah. Vous permettez, mademoiselle? Je n'ai jamais embrassé une négresse. J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente. Oui, alors depuis leur indépendance, les Noirs ont beaucoup perdu de leur naturel. C'était pour rire qu'il t'a embrassé. Ton riz était très bon, je suis contente de toi. Fais-nous un bon café.
fichier de dessin? Ici, j'ai dit. Johanna, où vas-tu? Chercher du travail. C'est ce matin-là que tout commença. C'était à Dakar. J'avais monté, descendu, remonté, redescendu des étages. Et partout, c'était pareil. Personne ne voulait de bonne. Il faut penser à l'avenir. Justement, l'avenir, je le vois loin. T'exagères. Vous faites rire. On ne peut plus avoir ses opinions. Si, mais dans ce cas, c'est de l'opposition systématique. Que tu dis? Tu exagères comme toujours. Je parle, moi, dans ton intérêt. N'oublie pas que dans ta région... Quoi? Je suis élu par le peuple, non par le parti. Parle pas si fort. Pourquoi? Je dis non! Pense à ta famille, l'avenir de tes enfants. Il a raison, donne un peu de mou, de l'espoir. Mademoiselle. Ah non, je ne vais pas faire. Il m'avait abordé. Il ne faisait que me regarder. Moi, je pensais à autre chose. Trouver du travail. La rue était vide. Juste passaient deux femmes. Elles étaient belles. Et je les regardais. Mais lui, il ne faisait que parler. Il m'a parlé de la place des bonnes, où peut-être je pourrais trouver du travail. Arrivé sur la place, il me quitta. Je promis de le revoir. Et, comme les autres filles, je pris place sur la pierre et attendis. Le soleil passa plusieurs fois sur nos têtes. Mais, comme les autres, je venais tous les jours, matin et soir. Comme tous les matins, ce matin-là, j'arrivais sur la place. Déjà, les filles attendaient. Et moi, je pris place sur le trottoir, attendant comme tous les jours la Providence. Elle était venue par derrière. Elle passa devant nous. Personne ne pouvait voir ses yeux. Elle nous regarda à tour de rôle. Nous avions compris qu'elle cherchait une bonne. Les filles se ruèrent vers elle. C'était à qui serait choisie. La dame reculait et écartait les bras qui voulaient se saisir des siens. J'allais me lever quand la dame est venue vers moi et m'a demandé si je voulais travailler. « Vie, madame, tu sais garder les enfants? Vie, madame !» Est-ce que tu as travaillé avec des blancs? Non, madame. Quand même, elle m'a prise. J'étais contente. J'avais du travail. Quand le soir, je rentrais à la maison,
J'étais toute contente. J'ai du travail chez les Blancs. 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 Ma mère était là, comme d'habitude, et je lui dis que j'avais trouvé du travail chez les Blancs. Ma mère jeta le masque et me recommanda d'être courageuse. Tu me laisses le masque et à la fin du mois, je te donnerai 50 francs. C'est pour moi? Oui, madame. C'est un cadeau de la bonne. Il a l'air authentique, dis donc. Hier, tu étais en congé, c'est la nouvelle bonne pour les enfants. Explique-lui les règles de la maison. Qui casse quelque chose, le paie. Donne-lui à manger. Bien, madame. Joanna! Madame! Attention, ne tombe pas. Je vais te présenter les enfants. Sophie, Damien et Philippe. Allez jouer dehors maintenant. À Dakar, je ne m'occupais pas de faire la cuisine, ni laver le linge. Je m'occupais seulement des enfants, les sortir pour la promenade, les emmener à l'école. Il est ramené à la villa. C'est pas sûr. Au Sénégal, oui, au Sénégal. Bah, tant qu'il y a Saint-Gor, c'est sûr. Faut que je réfléchisse. Faut pas me forcer la main. Mais c'est une occasion inespérée. Mais regarde, avec tous ces coups d'État, quand on a une famille... Mais de loin, ça fait beaucoup plus d'effet que sur place. Vous voyez ce qui se passe au Congo? Oh oui, mais le Sénégal, ce n'est pas le Congo. Et la vie est très agréable. Mais au bout de combien de temps revient-on en France? Oui. Tous les ans, dans le corps de l'assistance technique. Et on ne risque rien. Une bonne part de votre salaire est virée en France. C'est quand même intéressant. On peut se loger facilement. Mais dans les accords, tout est assuré. Il n'y a aucune crainte. Voilà le café.
Elle ne parle pas le français? Non. Mais elle le comprend. Par instinct, alors. Si on veut. Alors, comme un animal. En tout cas, elle fait très bien la cuisine. Il est tard. Nous allons partir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Il faut que vous veniez à Dakar. Je comprends tout. Madame voulait une bonne à tout faire. C'est pour cela qu'elle m'a choisie. Pourquoi suis-je ici? Pour les enfants ou pour être une bonne à tout faire? Tu n'as rien marqué chez Duana? Non. Regarde. On dirait qu'elle dépérit. Peut-être c'est le climat. Après tout. Quel climat? Elle est feignante, c'est tout. Le séjour des enfants à la montagne s'achève. Et il faut bien y penser. Excuse-moi, je vais m'allonger un peu. Oui, ça vaudrait mieux. Et puis ne compte pas sur moi pour écourter mes vacances. J'en ai ma claque, moi, de cette vie. Boire, c'est tout ce que tu sais faire. Mais quand les enfants seront là, ça devra changer. Duana, je vais prendre l'air. Madame n'était pas comme ça à Dakar. Monsieur non plus. Quand les enfants seront là, qui fera la cuisine et lavera le linge? Doit-on penser de moi à Dakar? Duana est heureuse en France, que je vis bien. La France ici, c'est la cuisine, le salon, la salle de bain et ma chambre à coucher. Où sont les gens qui habitent ce pays? Madame me disait, tu verras Duana. Il y a de beaux magasins en France. Est-ce ce trou noir qui est la France? Qu'est-ce que je suis ici? Cuisinière? Femme de ménage? Blanchisseuse? Et quand les enfants seront là,
Qu'est-ce que je ferai encore? Je suis seule. Est-ce pour m'enfermer que madame voulait m'emmener ici? Donc, c'est pour cela qu'elle s'est toujours montrée gentille avec moi à Dakar, me donnant ses vieilles robes, ses vieilles combinaisons, ses vieilles chaussures. Ici, ma vie se passe entre ma chambre et la cuisine. Est-ce cela vivre en France? Duana! Duana! Duana, réveille-toi. Mais lève-toi, feignante! Mais veux-tu te lever? Nous ne sommes pas en Afrique ici. Veux-tu te lever? Nous ne sommes pas en Afrique! Tu n'es pas ici pour rester au lit. Maintenant, il y a les enfants. Duana, je te dis de sortir, tu entends? Je sais que tu as fini de te laver. Duana, Duana, je te dis de sortir. Sors de là! Veux-tu sortir? Dehors! Duana! Duana, sors! Veux-tu sortir? Mais qu'est-ce qui se passe? Sors de la salle de bain! C'est Duana, elle refuse de sortir. Même le café, c'est moi qui l'ai préparé. Mais elle n'est plus bonne à rien. Duana! Bientôt, ce sera moi la bonne ici. Bonjour, fiston. Bonjour, papa. Allez, va t'habiller.
C'est. Peut-être que deux jours de repos lui font du bien. Elle en a besoin. Pour quoi faire? Elle pourra visiter la ville. Elle ne connaît personne ici à part l'épicier. Et je suis responsable d'elle. Philippe, va jouer dehors. Attention, ton ballon par la fenêtre. Johanna, enlève tes chaussures. N'oublie pas que tu es une bonne. Et maintenant, les enfants sont là, alors finis de rigoler. Johanna, tu es malade? Non, madame. Qu'est-ce que tu as, alors? Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Si je ne mange pas, je ne garderai pas les enfants. Il y a des nouvelles de Dakar. Tiens. Merci. Johanna, il y a une lettre pour toi. Je viens de Dakar. Tu veux que je te la lise? Oui. C'est une lettre de ta mère. Ma chère fille, Johanna, c'est moi, ta mère, qui t'écris cette lettre. Depuis ton départ de Dakar, je n'ai reçu aucune de tes nouvelles. Grâce à Tiff Correa, j'ai eu l'adresse de tes patrons. Ma santé, comme tu m'as laissé, empire de jour en jour. Pourquoi me laisses-tu sans le sou? J'ai rien pour vivre et toi, en France, tu gaspilles ton argent pour t'amuser. Je sais que tu ne sais pas écrire, mais je suis sûr que ta patronne le ferait pour toi, car c'est une grande dame et une mère.
ne te donnait-elle pas ses restes pour nous? Elle ferait bien une lettre pour toi. Tu ne dois pas penser à toi toute seule, moi aussi je vis. Depuis ton départ, tu n'as rien envoyé, et pourtant, tu as ton moi, que fais-tu de ton argent? Pense à moi. Moi, ta mère, même l'eau, je dois l'acheter, et je suis sans le sou. Je pense à toi, et je prie Dieu pour toi et tes patrons. Ta mère. Bon, eh bien, on va répondre à ta mère. Nous allons répondre. J'espère que ça lui fera du bien. Chère maman, j'ai bien reçu ta lettre. Et après, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais dis ce que tu veux, Duana. Bon, je continue. Si tu n'es pas d'accord, tu m'arrêtes. Chère maman, j'ai bien reçu ta lettre. Je suis en bonne santé et je pense à toi. Madame n'avait pas le temps pour me faire la lettre. C'est pas vrai. C'est pas ma lettre non plus. Elle vient pas de ma mère. Pas plus que je n'ai demandé à monsieur de me faire une lettre. Et madame n'est pas une grande dame. C'est parce que je ne sais pas écrire. Si je savais écrire, je saurais quoi dire de la bonté de madame. Ici, je suis une prisonnière. Elle est folle. Après tout, c'est sa mère. Je suis leur prisonnière. Je ne connais personne. Personne n'est ici de ma famille. Voilà pourquoi je suis leur esclave. Philippe, va t'amuser avec Duana. Bon, on y va maintenant. Duana, on va s'amuser. Papa et maman sont sortis. Pan! Pan! Ce masque est à moi. Madame m'a trompée. Elle n'a qu'à s'occuper de son fils. Elle ne veut pas me donner à manger. Elle s'occupera seule de son enfant. Peux entrer? Diwana, quand mon frère et ma sœur reviendront-ils? J'en sais rien. J'ai pas mangé. Je ne travaille pas. Je ne suis pas l'objet de madame. Ah, ils se bagarrent encore là-haut. C'est ça la vie en France. Pourquoi je voulais venir en France? Madame m'avait donné une robe et une valise la veille. Et j'étais sortie avec lui, nous promener dans la ville. Je ne pensais qu'à mon voyage. Lui et moi, on s'était fait faire une photo. On s'était querellé parce qu'il avait eu un geste qui ne m'avait pas plu. Sur ce, j'étais partie fâchée. Je ne pensais qu'à mon voyage. Aller en France, voir la France. Yeah.
Tu crois que la France est plus belle? J'en sais rien, moi. J'ai jamais visité la France. La patronne m'a demandé si je voulais y aller avec elle. Pourquoi faire? Lui garder les enfants. Il est en colère. Et il va dire, c'est de l'aide domestique. Ma mère est d'accord et j'irai en France. En France, en France, en France, en France. Descends, descends, voyons! Descends, c'est un sacrilège! Veux-tu descendre? Ne reste pas là-haut! Descends, descends! Mais tu m'entends? Mais descends de là! Mais cours, cours! Descends! Mais allez, saute! Allez, viens, je t'emmène en France. Tu te rends compte? De quoi? Je m'en vais en France avec ma patronne. Quelle vie penses-tu avoir là-bas? Je visiterai le pays. Pourquoi boude-t-il? Je suis chez lui. Que veut-il de plus? Je dois aller en France. Je l'ai promis à ma patronne. Diana n'a pas fait la vaisselle. Mais enfin, où peut-elle être? Oh, j'en sais rien. Elle dort encore. Debout!
Et où est le masque? Tu es malade? Non. Tu veux quoi? Tu veux ton argent? Voilà, 20 000 francs. 10 000 CFA. 10. Maman, viens voir. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle dit qu'elle est pas malade. Mais viens, laissons-la. Tiens, mais voilà le masque. C'est à moi! Veux-tu lâcher? C'est à moi! Veux-tu lâcher? Mais lâche le masque! Lâche le masque, je te dis! À moi! Oh, elle est complètement qu'est-ce folle! Qu'est-ce qui se passe? Elle a décroché le masque! Mais ce masque est à elle! C'est elle qui te l'avait donné! Quelle ingrate! Après tout ce que j'ai fait pour elle! Ce masque est à moi. Je l'avais payé 50 francs. Plus jamais madame me dira quelque chose. Jamais plus madame me dira Joanna fait du café. Jamais plus Joanna prépare nous du riz. Jamais plus Joanna enlève tes chaussures. Jamais plus Joanna lave la chemise de monsieur. Jamais plus Joanna, tu es une fainéante. Jamais je ne serai esclave. J'étais pas venue en France pour le tablier et l'argent. Jamais plus madame ne me verra. Jamais plus elle ne me dira quelque chose. Jamais plus de Joanna. Jamais plus je ne les verrai moi aussi. Madame m'a menti. Elle m'a toujours menti. Elle ne me mentira plus. Jamais plus elle ne me mentira. Elle voulait me garder ici comme une esclave. Rentrons à Dakar.
ni encore sa robe de chambre. Les gars, voici le patron de Johanna. Venez avec moi. C'est par ici. Mère, voici le patron de Johanna. Monsieur, voici la mère de Johanna. C'est pour vous. Tenez. Tenez. Prenez. C'est pour vous. Prenez. Elle ne veut pas. Gardez votre argent. Thank you.
mi ma di balol kujena.